Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour un peu un sort de vlog. J'essaye de vous faire du nouveau contenu en ce moment. Dans cette vidéo, je vous ai regroupé plusieurs moments de ma vie de ces dernières semaines, donc j'espère que ça va vous plaire et j'attends vos retours en commentaire. Regardez-moi comme c'est beau. Et là-bas, il y a un autre côté, enfin une autre partie de maison où il y a deux autres chambres. C'est ouf. Ici, je me crois dans les anges quand je choisis ma chambre. Regardez-moi cette vue. C'est le premier jour à l'île de Ré et j'ai tout le haut du corps. Voilà. Voilà. Maintenant, hydratation. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que je vais bien dormir malgré ces coups de soleil. Non mais là c'est vraiment abusé. Bien le bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée de l'île de Ré puisque lundi 3, j'avais ma soutenance d'oral pour mon projet d'art appliqué. Un oral final avec un jury qu'on ne connaît pas, qui dure 10 minutes et... enfin 20 minutes, donc t'as 10 minutes de toi, tu parles tout seul, et 10 minutes de questions-réponses avec le jury. Moi, le ressenti que j'en ai eu, c'est que... ils m'ont mis à l'aise et voilà, donc je suis soulagée, on verra les notes après. Donc là il me reste que les écrits. Là il est presque 4h et mon objectif du jour c'était de répondre à mes mails puisque bah là ces dernières semaines j'y faisais mes genre, enfin giga pas attention en fait. Sinon j'ai commandé le t-shirt de Lena Situation sur Jennifer. Ça fait une semaine que je l'ai commandé et il n'est toujours pas arrivé en magasin. Donc je m'inquiète, j'espère que je vais bientôt le recevoir. Je passe mon planning de révision. Puisque là j'ai une semaine et demie. Je suis en voiture, il pleut, il est 9h30, je pars en fait à un massage. Ma caméra m'a bougé, j'ai aucun appui en fait. Je me suis levée à 8h pour réviser. Là du coup j'ai un massage aux pierres chaudes que j'avais pour mon anniversaire, du coup je vais y aller, ça me fait un peu de détente entre mes révisions. Je vous dis à tout à l'heure, bisous. Et voilà, je vous retrouve, donc là j'en sors, il est 11h30 à peu près. C'était super bien. De ce que j'en avais entendu, c'est que c'était pas si bien que ça et ça pouvait brûler, etc. Moi, elle était super adorable. Elle m'a dit si les pierres sont trop chaudes ou quoi que ce soit, vous me le dites, ou même sur la pression du massage, etc. Et c'était nickel, franchement. Là, il y a eu un peu plus d'une heure de massage et je suis... Malheureusement, il faut que je reprenne les révisions cet après-midi, donc ça va être compliqué, surtout pour faire des maths. Regardez-moi ce joli teint, on est au mois de juin. Du coup pour ceux qui sont de Montluçon des alentours, j'ai sa carte donc je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos si ça vous intéresse. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 10h, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une journée de révision. Donc de base, je me réveille beaucoup plus tôt, je me réveille à 8h30. Là ce matin je me suis réveillée à 8h30, j'ai coupé tous mes réveils et... je me suis endormie. Sachant que cet après-midi j'ai un rendez-vous, faut que je me dépêche de bosser en fait, faut que je sois productive. Donc alors comme petit déj,
ça dépend, ça varie, c'est pas tous les matins comme ça. Je prends des tartines glacées, de la brioche grillée, soit Nutella, soit confiture beurre. Ça c'est super bon les gars. C'est du pago à l'orange, à la carotte. C'est super bon, on dirait pas comme ça. Au début j'aimais pas du tout. C'est vraiment super bon, super frais. Donc si vous voulez tester, allez-y. Donc je vais regarder des vidéos YouTube sur le bac, donc genre la philo ou quoi. Il est 10h30, donc là je vais m'y attaquer, donc j'ai toutes mes fiches et je me suis fait un planning. Voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo quand le bac sera passé, etc. pour l'année prochaine. Donc là je vais réviser la philo, parce que la philo c'est ma première matière lundi et j'aimerais bien avoir au-dessus de la moyenne. J'avais eu 11 et demi au bac blanc alors que j'avais rien révisé. À côté, l'art appliqué, donc l'analyse méthodique, c'est ma spé de... Le bac en fait c'est mon écrit d'art appliqué, coef 6, donc ça aussi je vais essayer d'y regarder tous les jours. Donc voilà, donc là j'ai mes petites fiches, je vais réviser ça jusqu'à ce qu'on mange. Et cet après-midi quand je vous l'ai dit, je ferai les maths. Et un truc que je fais toujours, mon portable en mode nuit ou alors en silencieux. Et je le retourne pour ne pas voir les notifications, pour ne pas être tenté pour aller sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est horrible. Il est bientôt 15h. Donc là aujourd'hui, enfin cet après-midi, je fais les maths. Je m'entraîne à en faire quelques-uns. Il y en a très peu pour la terminale, c'était de ça, mais si vous êtes en S ou quoi, vous allez trouver ça rapidement. Et après, bah sinon je vais relire mes cours, je vais essayer de faire quelques exercices. Moi je suis en train de me taper un gros mal de crâne là, donc pour faire des maths c'est génial déjà que je comprends rien de base alors. Mais bon tant pis, faut pas lâcher. Je sais que j'ai reçu un colis, donc je voulais vous montrer, enfin un colis, j'ai reçu un article, donc je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est un produit MAC, c'est leur nouveau mascara. Souvent en fait MAC, je reçois souvent leur nouveauté, que ce soit leur mascara. Enfin, c'est généralement leur mascara. Hein. Alors voilà la brosse. Je mettrai le lien du produit en barre d'infos. Et elle a l'air de bien courber les cils et de bien déposer la matière. Donc j'ai hâte de le tester. Donc je vous en redirai des nouvelles soit dans un prochain vlog, soit dans une prochaine vidéo face to face. Donc voilà. Il est 21h. Donc je suis revenue de mon rendez-vous en fin d'après-midi. Je vous ai pas filmé parce qu'en fait j'ai continué de réviser. Donc voilà, jusqu'à ce qu'on mange ce soir. Et donc là, souvent après les repas, j'essaie de... d'aller sur mon ordi, de faire autre chose, de répondre à des mails, etc. Moi, c'est pas ma méthode de réviser tout le temps H24 parce que ça rentre pas et niveau concentration. Ça s'appelle Dans leur regard. Bientôt 22h. 23h, pardon. Tant pis, je vais me coucher un peu plus tard. Je me lèverai un peu plus tard demain. Mais c'est que j'ai fini ma série parce que vraiment j'étais trop dedans et elle était vraiment trop bien. Et j'ai bien envie de la regarder parce qu'elle pourra m'apporter des trucs si jamais on parle de la justice ou quoi, philo. Là, pendant peut-être une petite heure, un petit peu moins, je vais réviser. Donc là, je fais un mélange de méthodo d'art appliqué et de philo. Là, c'est vraiment compliqué, je vous avouerai. J'ai moins 2 du bac, j'ai moins 3. Ça devient dur. Et je vous fais de très gros bisous. Je croise fort les doigts pour vous. Et puis, à bientôt. Ciao!